Bonsoir à vous tous qui nous suivez de chez vous pour cette troisième session d'études bibliques sur l'Église face au défi de la professionnalisation. Alors j'espère que vous êtes bien assis, bien installés chez vous parce que encore aujourd'hui, ce sera un moment riche en informations, riche en connaissances où vous allez pouvoir en apprendre davantage sur ce large sujet. Alors bien évidemment, si vous avez loupé les deux premières sessions, nous allons commencer par un petit moment de... où nous allons avoir un petit récapitulatif sur tout ce que nous avons vu dans les deux premières sessions. Alors évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat tout au long de l'étude et nous prendrons un temps pour y répondre à la fin lors d'un petit temps de questions-réponses. Et bien sûr, nous terminerons avec notre quiz pour savoir si vous avez bien suivi notre étude. Alors ce soir, nous sommes à nouveau avec le frère Samuel d'Anglade. Bonsoir Samuel. Bonsoir Esther, comment tu vas Ça va très bien et toi Ça va très bien, par la grâce de Dieu, merci. <laughs> Super. Alors du coup, on va un peu revenir sur ce qu'on a déjà vu, un peu en profondeur pour remettre les gens dans le bain et qu'ils soient pas un peu perdus dans la suite. Tout à fait. Donc on a Commencer par l'introduction de la professionnalisation. Qu'est-ce que c'est Tu nous as un peu défini les bases. Est-ce que tu peux juste très rapidement nous le redéfinir Bien sûr, bien sûr. Ça fait déjà la troisième semaine que, que nous sommes là sur ce grand thème, l'Église face au défi de la professionnalisation. Mmh. La première semaine et la première séance, il s'agissait simplement de définir les termes du sujet. Bien sûr. Lorsqu'on parlait de professionnalisation, on disait pour faire simple qu'il s'agit de la démarche dans laquelle on cherche à faire mieux. Tout simplement. On cherche à progresser, on cherche à s'améliorer. Et puis lors de la deuxième séance, donc la semaine dernière, du coup, nous avons parlé de quelques-uns des défis de la professionnalisation. On ne peut pas tout dire en quelques semaines d'études bibliques, mais on a ciblé quelques sujets sur lesquels l'Église peut s'améliorer. On a parlé de la manifestation de la vie de l'Esprit, on a parlé de la prédication de l'Évangile et de tant d'autres choses passionnantes. D'accord. Bah, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la partie sur la prédication de l'évangile et pour toutes ces personnes qui sont appelées à prêcher, qui savent qu'ils ont cet appel de prédicateur, voire même de pasteur pour certains, et de se, de se dire que ce n'est pas seulement un appel, c'est pas seulement le fait de savoir qu'on est appelé à faire ça, mais qu'il faut se professionnaliser, se former, apprendre à prêcher et même, pour ceux qui prêchent déjà, se perfectionner dans l'art de la prédication. Ouais, bah, tout à fait. Ce que tu dis, c'est intéressant. Euh, quand tu dis euh, même les prédicateurs, en fait, quand on parle de la professionnalisation, c'est ce qu'on a dit euh, ces dernières semaines. On est en train de parler d'une démarche dans laquelle tout le monde doit être engagé. Mmh. Donc tout le monde, c'est-à-dire du nouveau converti jusqu'à celui qui préside l'Église. Nous sommes tous, chacun dans un rôle différent, bien sûr, bien sûr. mais chacun à notre poste, à notre rôle, en train de chercher à faire mieux que ce que nous faisons encore aujourd'hui. Puis, euh, pour rappeler simplement, en quelques mots, tu me le permettras. Il y a un but derrière tout ça. Mmh. C'est pas progresser pour progresser en fait. C'est progresser pourquoi Parce qu'il y a des âmes à gagner. Et plus on progressera, plus on optimisera les chances de gagner les âmes. Oui. Plus on progressera, plus on aura la capacité à résoudre nos problématiques intérieures. Mmh. Et plus on progressera, plus on pourra rester quand même dans le cadre législatif du pays qui accueille l'Église locale. C'est un peu ça. D'accord, oui, parce que c'est vrai que le but de la professionnalisation, c'était surtout de maintenir cette Église pour pas qu'elle se, qu se perde ou qu'elle implose au fil du temps. Exactement. Et en fait, il euh, y, y, y a deux, deux églises, hein, deux types d'églises, donc mm -hmm. ça dépend de quoi on parle. Bien sûr que l'église E majuscule, le corps de Christ n'implosera pas. Il ne fera face à aucun défi qui sera plus fort que lui, puisque euh, les portes du séjour des morts ne pourront pas prévoir contre, prévaloir contre lui. Mais lorsqu'on parle de l'église locale, oui, l'église locale, elle a des défis, elle a des difficultés, elle a des combats, elle a des objectifs à atteindre. Et si elle ne les atteint pas, Malheureusement, oui, elle risque d'imploser, elle risque de s'éteindre. Et malheureusement, partout dans le monde, ici aussi en France, dans notre pays, nous avons vu des églises qui n'ont pas tenu la route. Des mmh. églises qui ont bien commencé, qui ont porté un résultat, mais au fur et à mesure, qui sont devenues quasi, euh, j'ai envie de dire, inoffensives euh, dans le champ de bataille dans lequel nous sommes. Donc mmh. c'est un enjeu qui est, qui est capital, en réalité. D'accord. Avant qu'on passe sur ce dont on va parler aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne encore sur un point sur les défis, c'est la manifestation de l'esprit. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment un point qui était assez particulier parce qu'on est dans une église. On, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui parlent de la manifestation de l'esprit, la puissance. J'aimerais que tu reviennes un peu sur ce point-là. En fait, je te remercie de me donner cette opportunité de revenir dessus parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, souvent, on tombe dans le piège de croire que l'Église parce qu'elle est conduite par le Saint-Esprit, ou encore certains types d'actions que nous posons dans l'Église, parce que conduites par le Saint-Esprit, sont totalement éloignés euh, de la capacité à, à travailler humainement euh, là-dessus. Non, en fait, la vie de l'Esprit, oui, c'est le Saint-Esprit qui manifeste sa vie au milieu de nous, mais nous avons la capacité. D'apprendre à la gérer. On avait parlé, si je te rappelle, c'était autour d'un Corinthiens chapitre 14, qui nous présente le fait que même la vie de l'esprit, l'exercice du prophétique et des dons spirituels, peut se faire dans un cadre. Et l'apôtre Paul lui-même va dire euh, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui. En, comme en conclusion de, cette, de, de cet argumentaire. Donc euh, en réalité, euh, il est possible de vivre le Saint-Esprit, mais dans le désordre. Donc on insiste encore tous les sujets de la vie d'une Église, y compris les sujets qui ont lié à la spiritualité pure et directe, doivent se professionnaliser, doivent être engagés dans une démarche de perfectionnement, de progression, d'amélioration, de correctif. Et cela, ouais, c'est quelque chose qui est super important. D'accord, super. C'est vrai que ça, c'était un point qui était particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, le, le, on est dans les derniers jours et on ouais. sait que dans les derniers jours, l'Esprit se manifestera avec puissance, avec efficacité. On ne veut pas être, nous, la chose qui bloque l'action de l'Esprit parce qu'on sait que c'est par l'Esprit que beaucoup viendront à Christ et pourront être sauvés. Mais ce que tu dis, euh, en fait, ça introduit un peu justement le, la question des dérives. Hein. Oui, complètement. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que la professionnalisation est une bonne chose si elle est mal gérée, elle peut devenir une mauvaise chose. C'est ça en fait l'enjeu. Lorsqu'on parle de la professionnalisation, si on reprend l'exemple de la vie de l'esprit, on est en train de parler de chercher à travailler d'une certaine manière pour que l'objectif soit atteint et que l'efficacité soit maximale. Oui. Maintenant en réalité, si on travaille mal, si on cherche à se perfectionner d'une mauvaise manière, on risque au contraire de tuer dans l'œuf les ambitions qu'on avait et même la vie de l'esprit parfois dans certaines églises a été tuée pourquoi parce qu'on voulait tellement professionnaliser mais qu'on l'a mal fait. Alors on a mis beaucoup de cartes, beaucoup de process parce qu'on était tellement dans la recherche de quitter le désordre qu'on a été dans des abus de rigueur et de rigidité qui mmh. au final ont été contreproductifs. Bien sûr. De quand on parle de la professionnalisation, c'est un sujet sérieux. Qui est, qui, est, qui est suffisamment subtil pour être appréhendé avec beaucoup d'humilité. On ne peut pas aujourd'hui euh, parler de la professionnalisation comme quelque chose de facile à mettre en place. Non, c'est difficile et euh, ça demande vraiment un, un jeu euh, d'équilibriste qui n'est pas, euh, pas aisé. Parce que ne pas se professionnaliser, c'est mettre l'Église en danger. Mais mal se professionnaliser, c'est mettre l'Église en danger. C'est ça, en fait, les dérives. D'accord. Donc, f... Donc concrètement, aujourd'hui, tu vas nous parler de ça, des voilà. dérives de la professionnalisation. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est une dérive concrètement Tout à fait. Alors lorsqu'on parle d'une dérive, si je prends une définition vraiment euh, ici euh, littérale euh, du, mot, euh, du mot dérive, lorsqu'on parle du dérive, on est en train de parler de la déviation d'un navire. Okay. Tu vois, un navire, une embarcation maritime, un mm -hmm. bateau, une barque, ou, ou peu importe, un jet ski, euh, euh, je ne sais, un canot et kayak, euh, il peut dévier à un moment donné de sa trajectoire sous l'effet des vents ou des courants. C'est ça la okay. dérive. C'est lorsque l'embarcation, elle a une direction, elle a une destination, mais à cause du vent ou à cause du courant, elle va à un moment donné euh, se détacher, se dévier de sa trajectoire initiale. Donc, ça, c'est le mot dérive. Lorsque je parle de, des dérives de la professionnalisation, je suis en train de dire que la professionnalisation, c'est un objectif. On cherche à aller quelque part, mais c'est possible qu'en chemin, en réalité, on s'écarte de la trajectoire qu'on avait prévue. D'accord. Hmm, c'est très 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 intéressant ça, parce que du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on voit de beaucoup de courants de pensée chrétiens, ouais. mais qui dérivent un peu sur la pensée, enfin la pensée de base de la foi chrétienne dans l'idée. Tout à fait. Ouais. Euh, si tu veux, quand on parle de, euh, de la professionnalisation, on l'a défini. Euh, ces dernières semaines, on part du principe qu'elle est, euh, qu est biblique. C'est ce que Dieu veut. On mmh. s'améliore. L'apôtre Paul, dans le texte de base qu'on avait lu, il dit ⁇ Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est la professionnalisation. Mais lorsqu'on parle d'une dérive dans la professionnalisation de l'Église, on parle de quoi On parle de deux choses. D'accord. La première chose, lorsqu'on parle de dérive de la professionnalisation, on parle du fait qu'on peut avoir un objectif de professionnalisation qui est mauvais, un mauvais objectif. On cherche à faire mieux, mais dans notre recherche à faire mieux, on cherche à atteindre des objectifs qui ne sont pas raisonnables et qui ne sont pas ce que Dieu nous fixe. Tu vois ce que je veux dire Je te donne un exemple simple. La professionnalisation, c'est pour permettre notamment aux personnes qui ne connaissent pas l'Évangile euh, euh, et qui ne connaissent pas Christ de pouvoir se sentir intéressées par ce que nous sommes en train de faire. Mm -hmm. C'est bon. À quel moment on va parler de dérive C'est lorsque notre objectif sera de plaire à 100% des païens qui viendront au culte. Non Parce que si on cherche à plaire à 100% aux païens qui viendront au culte, on risque à un moment donné de faire des choses païennes, qui s'éloignent. Du christianisme. Mm -hmm. On risque de prêcher certaines choses. On risque d'avoir un certain type de comportement qui n'est pas l'évangile parce que l'objectif de plaire à tous les païens, ce n'est pas le bon. C'est oui. démesuré. Tu vois, donc premièrement, une dérive de professionnalisation, c'est lorsqu'on se fixe un mauvais objectif. Okay okay. Deuxièmement, lorsqu'on parle d'une de, de, dérive de professionnalisation, c'est quand l'objectif, il peut être bon, mais les moyens. Utilisés ne sont pas bons. On cherche à aller au bon endroit, mais le chemin par lequel on passe n'est pas bon. Tu vois, je te donne un exemple. J'avais beaucoup euh, voulu en parler en fait dans cette étude, et je me suis rendu compte que c'était un trop gros morceau euh, pour pouvoir l'aborder. Et, et peut-être <laughs> Dieu permettra qu'un jour on, on en parlera. C'est la dérive liée au financement de la mission. C'est un sujet extraordinaire. D'accord. Financer la mission. C'est légitime. Bien sûr. Se professionnaliser pour permettre à ce que l'Église soit plus forte financièrement en vue de la mission, c'est une bonne chose. L'objectif est bon. Mais certaines personnes utilisent des mauvaises méthodes pour enrichir l'Église. Ils utilisent des mauvais procédés pour enrichir l'Église. Ça, c'est une dérive. L'objectif est bon. Mais le moyen par lequel on passe, notamment par le tout payant, ça, c'est une dérive. D'accord. Donc est-ce que tu penses que finalement les dérives peuvent venir de deux façons? Soit, soit l'objectif n'est pas bon, ouais. soit finalement ce n'est pas biblique. Exactement Donc la ça. base n'est pas bonne. Voilà. L'objectif peut ne pas être bon, alors là c'est une dérive. On cherche à se professionnaliser, mais avec un mauvais objectif. Mmh. Ou encore, on mmh. cherche à se professionnaliser. L'objectif est bon, mais le chemin par lequel on passe, lui, n'est pas bon. D'accord. Alors, et bon, vu que nous, ce soir, on veut être biblique, on est dans une étude biblique, Tout quel texte, du coup, nous parle de dérive dans la Bible pour qu'on puisse prendre ça en exemple Oui, 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 oui c'est important de dire que cette notion de dérive, on peut la retrouver dans la Bible. Mmh. Euh, tu vois, lorsqu'on est en train de parler de l'Église ou de l'ensemble des croyants dans la Bible, il y a mmh. plusieurs images qui sont parfois utilisées. Oui. Il y a l'image d'une famille. Le corps de Christ, c'est une famille, c'est la oui. maison de Dieu. Oui, oui. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Euh, tu vois que lorsque euh, on parle de l'Église, on parle parfois, euh, par exemple, d'un corps. Oui. Nous sommes un corps, et chacun d'entre nous sommes membres du corps de Christ. Oui, chapitre 12, et, et lui-même, il, il est la tête. Lorsqu'on ah. parle de la, de, des croyants, on peut utiliser, par exemple, l'image d'une armée. Oui. Ok. Euh, nous sommes euh, les, les soldats euh, de l'Évangile. Nous sommes une armée. Euh, et lui, il est, euh, il est le roi de cette armée. Yes. Euh, on peut aussi utiliser l'exemple d'un corps diplomatique. Tu vois, vous êtes les ambassadeurs de Dieu. Mm -hmm. euh, et là où nous sommes, nous sommes des porte-parole de l'œuvre euh, de, de Jésus sur la terre. Oui. Euh, D'où vient le terme apostolos, notamment. Hein. C'est le terme envoyé. Les apôtres. On est des envoyés. Oui. Alors. L'une des images qui est utilisée, mais un peu plus rarement, mmh. lorsqu'on parle des croyants, c'est l'image en fait euh, du navire. C'est l'image d'une barque. C'est l'image maritime pour nous permettre de comprendre les choses. Tu vois, euh, je commence par introduire Marc chapitre 4. C'est un passage qu'on connaît. Jésus, il va dire quoi à ses disciples Il va dire Allons à l'autre bord. Allons de l'autre bord. Mmh. Ils sont sur une barque avec Jésus. Ça, c'est l'image de l'Église. Oui. Les croyants. Deux ou trois sont assemblés en son nom, Christ au milieu d'eux. Yes. Dans un objectif qu'il a fixé, mais avec des tempêtes qui peuvent se lever. Et ici, tu vois dans ce texte-là que les croyants étaient à un moment donné dans le doute et dans l'insécurité quant à l'atteinte de l'objectif. On peut être l'église du Seigneur, mais passer par les temps difficiles. oui On peut être l'église du Seigneur, mais passer par les tempêtes. Tu vois oui, Maintenant, sûr. ça, c'est juste pour introduire. Il y a deux textes moi, que je nous propose en fait, de pouvoir lire euh, qui parlent un peu de cette notion-là. Le premier, c'est dans Éphésiens chapitre 4, qu'on connaît, qui parle en fait, de, la croissance, euh, de la croissance des croyants. Éphésiens chapitre 4, euh, que je nous invite tous à lire aussi à la maison. Euh, J'espère que vous aviez prévu votre Bible euh, papier ou numérique, euh, puisque nous sommes donc dans une étude biblique. Donc, euh, nous nous appuyons sur la Bible. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, c'est un passage, tu sais Esther qui nous parle de euh, des ministères oui. de la parole qui mm -hmm. sont là pour euh, perfectionner les croyants. Yes. Donc euh, le texte qu'on va lire à partir du verset euh, 11, mm -hmm. il commence par parler des ministères et après, en fait, on continue à parler de la croissance du croyant grâce aux ministères. D'accord. OK. Je vais lire pour nous Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 11. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et là, ça nous intéresse, le verset 14 afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Par leur ruse, dans des moyens de séduction. J'aimerais qu'on puisse nous afficher ce, ce verset-là dans la version français courant, par exemple, mmh. qui va nous permettre de comprendre les choses encore plus facilement. Quand la Bible dit des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, on est dans l'image maritime. Tu vois, la version français courant va dire Alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon. Tu vois, si on peut aller dans la version parole de vie, par exemple, on comprendra également cette idée-là. Là, ici, les questions de vagues et de tourbillons. La version seconde parle euh, euh, de flotter et d'être emporté. La version parole de vie va dire « Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Ouais. » Ça, c'est la dérive. Mmh. Tu vois oui. un, un petit bateau euh, poussé et emporté par les vents de la mer, c'est la dérive. Mmh. Donc, ici... Euh, L'apôtre Paul est en train de nous dire que Dieu envoie les apôtres, les prophètes, les pasteurs, blablabla, pour nous perfectionner, pour nous professionnaliser, afin que nous ne puissions pas dériver par rapport à la foi. Mmh, tu vois, il y a un autre texte qui est très intéressant euh, dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 19, on nous parle aussi euh, de, de cette réalité de, de la dérive. 1 hein. Timothée chapitre 1. Euh, le, le verset 19. Alors, je vais lire carrément à partir du verset 18 et 19, comme ça, ça sera encore encore dans le contexte. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18. Et le verset 19, la Bible dit, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est carrément une dérive qui a amené le naufrage. C'est-à-dire que le bateau s'est littéralement renversé. La fin de l'embarcation. Tu vois, donc euh, cette notion de dérive, elle est, elle est effectivement dans la Bible. On a, lu, on a parlé de trois passages, il y en a d'autres. Okay. Mais voilà, on a souvent cette image des croyants euh, pris individuellement ou collectivement comme une embarcation maritime, un bateau, une barque, un navire qui est, euh, qui est sur la mer. Mais qui doit garder son, son objectif, qui doit garder sa stabilité, qui doit garder sa trajectoire. Parce que il y a des vents qui peuvent malheureusement nous faire dévier. C'est un peu ça qu'on peut dire sur la dérive, selon, selon la Bible. D'accord. J'aime beaucoup cette analogie du bateau parce que contrairement au train ou à la voiture, enfin à ces autres, autres moyens de transport, le bateau est sur un, est sur un moyen qui n'est pas du tout stable. C'est-à-dire que concrètement, si l'Église est le bateau et qu'elle est sur l'eau, sa seule stabilité, c'est le Christ, puisque lui est le roc. Et du coup, quelle serait l'origine des dérives qui pourraient permettre à un bateau de dévier Exactement. Bah, tu, tu cibles le, le doigt là où ça fait mal, comme on dit. C'est-à-dire que on est avec un objectif qui est clairement déterminé, fixé. On a des principes bibliques qui sont solides. Pourtant, l'environnement est instable. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Alors, le Christ qui est dans la barque, lui, est celui auquel nous devons nous attacher. Oui. Parce que lui, il est solide. Oui. Mais l'environnement dans lequel on évolue, lui, il est changeant. C'est ça, exactement. Tu vois euh, Lorsqu'on prend une barque au milieu de la mer en pleine nuit, euh, elle peut être balottée dans toutes les directions. Elle peut aller vers le nord, vers le sud, vers l'est. Pourquoi Parce que on dit que le vent il est en train de tourner. Tu vois Alors ça, c'est quelque chose qui est délicat. Nous, concrètement, quand on parle de dérive dans la professionnalisation, oui, il y a des vents, il y a des influences extérieures au bateau qui peuvent pousser le bateau à s'éloigner. Tu vois Donc ici. On va parler de quoi sans le détailler, sans le développer, mais mentionnons quelques raisons. Il ben, y a la réalité démoniaque. Bien sûr. Tu sais, l'apôtre Paul parle en ces termes. Il dit euh, Votre adversaire, Satan, le lion rôde, euh, il rôde comme un lion rugissant, mmh. cherchant qui va dévorer. Tu sais, on a un adversaire. Il y en a un qui cherche à nous dévier il y en a un qui cherche à nous pousser. Il y en a un qui cherche à nous éloigner du plan de Dieu. Mmh. Et ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les premiers êtres vivants sur la terre, depuis, disons les premiers hommes sur la terre, mmh. Adam et Ève, ils ont été déviés de leur trajectoire. Ils ont une ligne directrice claire de la part de Dieu. Mais Satan est venu pour insuffler en Ève une pensée pour la dévier de sa trajectoire. Et il a fait exactement la même chose avec le second Adam, Christ lui-même. Lorsque il avait une pensée, un objectif clair, il devait mourir et par sa mort ressusciter et être le sauveur de l'humanité, recevoir tous les pouvoirs de la part de Dieu. Mais Satan, dans le jardin euh, ou plutôt dans, dans le désert, Luc chapitre 4 et Matthieu 4 oui. nous présente qu'il a cherché à dévier le Christ de sa trajectoire oui. en lui présentant tout un tas d'autres choses. Donc le diable, les réalités spirituelles. Sont là pour influencer les églises et les croyants dans des mauvaises directions. Mmh, tu sais, il y a des projets parfois qui ne sont pas de Dieu, qui sont des pensées diaboliques. Il y a des idées, il y a des convictions, il y a des objectifs, il y a des projets dans lesquels parfois on a envie de se lancer, mmh. qui sont littéralement insufflés dans les pensées et dans les cœurs par notre adversaire. Mmh. Après, en réalité, lorsqu'on est en train de parler de, euh, de vent, c'est vrai, moi j'ai parlé du fait qu'on doit rester dans le cadre législatif, mais il faut dire aussi que lorsque l'Église est dans des États qui ne reconnaissent pas la Bible comme constitution, il peut arriver que l'Église se sente comme emportée loin des principes bibliques par un environnement étatique, un environnement gouvernemental qui pourrait la pousser à accepter des choses. Que la Bible n'accepte pas tu vois euh, sans vouloir entrer dans beaucoup de polémiques il y a un certain nombre de choses que la Bible présente comme des antivaleurs mais qui sont présentées dans certains pays notamment occidentaux par exemple comme des valeurs de progressisme ok alors l'Église à ce moment-là pourra sentir comme un vent sociétal qui veut la pousser loin de ses valeurs tu vois euh, et cela c'est quelque chose qui est, qui est délicat. je ne veux pas citer d'exemple euh, là-dessus. mais euh, mm. des lois sont votées pour que euh, les hommes puissent avoir de plus en plus de liberté dans leur manière de vivre les uns avec les autres. Mm. mais certaines des choses qui sont des libertés aux yeux de la loi ne sont pas des libertés aux yeux de la loi de dieu. Mm. alors quand la société est en train de changer et quand les valeurs de la société sont en train de changer, c'est aussi un vent qui risque d'emporter l'Église si elle n'est pas ferme dans ses convictions et dans ses principes. Et puis, il y a bien évidemment la chair de l'homme, c'est-à-dire ses pulsions, sa nature pécheresse, qui peut lui-même aussi l'influencer. Je pense qu'on parlera un petit peu de ça tout à l'heure. D'accord. Donc ce que tu dis vraiment, on, peut, on ne peut... Que compter sur le Saint-Esprit et sur, et, et, et sur l'idée d'avoir une, une grande sensibilité spirituelle parce que lui seul est capable de sentir lorsque le vent tourne et de nous faire comprendre que là la situation est en train de changer et préparez-vous à ce qui est en train d'arriver. Donc, vraiment, le Saint-Esprit est crucial dans ce que tu es en train de, de décrire. Mais Jésus le présente comme l'avantage. Ouais. Exactement. Comme l'avantage, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mmh. Jean chapitre 16. Yes. Donc, en tant que croyant à l'échelle individuelle, en tant que croyant collectivement, nous avons besoin plus que jamais de vivre la réalité du ministère du Saint-Esprit, qui lui est celui qui, la Bible dit, nous conduit dans toute la vérité. Mmh. Tu vois, quand Amen. le vent veut nous emmener à gauche ou à droite, quand les agitations de la mer veulent nous emmener à gauche ou à droite, c'est le Saint-Esprit qui doit être le commandant de bord de l'Église. Le Saint-Esprit qui doit être le commandant de bord de nos vies pour nous permettre d'être sûrs de ne pas nous éloigner de ce qui était initialement prévu. Il nous conduit dans toute la vérité. Ok. Donc si Jésus est l'ancre, le, est le Saint-Esprit est le gouvernail. Amen. Concrètement. Très bien dit. Wow. Donc, est-ce que du coup tu peux nous amener encore plus en profondeur dans cette étude sur les dérives dans la professionnalisation eh bien, bien sûr, moi ce que je te propose c'est de voir ensemble deux grands types de dérives de professionnalisation. Parfait. Allons-y. Deux grands types de dérives de professionnalisation, voilà ce dont nous voulons parler. Alors. Comme nous l'avons dit la dernière fois, il y a différents types de dérives, il y a différents types de défis face à la professionnalisation. C'est un sujet qui est si large, si immense, qu'il ne peut pas être abordé en quatre petites séances. Alors, vous me permettrez aujourd'hui, comme dans les autres séances, de ne pas chercher à être exhaustif. On ne pourra pas tout dire, soulever à la fois tous les problèmes et présenter toutes les solutions. Alors, on se limitera à présenter peut-être... Deux types de défis. Présenter un peu de quoi il s'agit et puis avancer dans l'enseignement. Et chacun aura la responsabilité dans sa vie et dans son fonctionnement de voir quels sont les autres types de dérives auxquelles il pourra être confronté et surtout être vigilant par rapport à ça. Premier type de dérive dont j'aimerais parler, ce sont les dérives liées à la motivation de professionnaliser les dérives liées à la motivation de professionnaliser. Je commence par cela, pourquoi Parce qu'en réalité, certaines personnes se sont disqualifiées dès la motivation de la professionnalisation. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore enclenché une démarche et des actions précises en vue de se professionnaliser, mais sont déjà à côté de la plaque. Lorsqu'on est en train de parler des dérives, on est en train de dire ici que le premier type de dérive de professionnalisation, ce n'est même pas des mauvaises actions, mais c'est des mauvaises motivations. Il est possible de dériver avant même d'avoir posé la première action, mais de dériver dans le cœur. Et bien aimé, cela c'est quelque chose qui est très important. Vous savez, la Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, que nous pouvons afficher dans différentes versions. Proverbes chapitre 4, le verset 23, qu'on peut afficher dans différentes versions, va nous dire que euh, euh, nous avons la responsabilité de garder un élément crucial de nos vies qui va être d'ailleurs à l'origine de beaucoup de choses. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et on l'affichera dans plusieurs autres versions parce que c'est intéressant lorsque nous sommes dans une étude de pouvoir avoir les subtilités des différentes versions et, et de voir comment tel ou tel euh, euh, parti pris linguistique nous permettra de, de voir les subtilités en fait de, de, de l'idée. Lisons par exemple la version euh, Parole de Vie qui va nous dire par dessus tout surveille ton cœur car il est la source de la vie. Le cœur est la source de la vie. La version français courant va nous dire, avant tout, prends garde à ce que tu penses. Oh là là, j'aime beaucoup cette version. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ici, si vous êtes en train de voir quoi Vous êtes en train de voir, bien aimé, que la trajectoire d'un homme, c'est-à-dire sa vie, commence par l'orientation de ses pensées. Amen, amen. Je répète, la trajectoire d'un homme dépend d'abord de l'orientation de ses pensées. Avant toute action que nous avons posée, les inclinaisons de nos cœurs donneront la trajectoire de nos vies. Alors nous ne pouvons pas aborder la question de dérive simplement à l'échelle des actions. Non. Parce que la dérive commence d'abord dans le cœur. Lorsque des hommes et des femmes, qu'on parle de professionnalisation ou pas, lorsque vous voyez des personnes prendre une trajectoire qui n'était pas bonne, la trajectoire a d'abord été prise dans le cœur. Et cela, c'est quelque chose qui est très important. Alors, revenons sur notre slide euh, principal de ce premier type de dérive. Ce sont des dérives, nous disons, qui sont liées à la motivation de professionnaliser, c'est-à-dire la raison pour laquelle on se professionnalise. Vous savez, nous avions donné trois raisons majeures pour lesquelles nous devons nous professionnaliser. Et je nous donne le défi de les retrouver et de les écrire dans le chat. Alors, nous ne sommes pas encore au quiz, mais vous avez déjà une première question à laquelle répondre. Quelles sont les trois raisons majeures pour lesquelles nous devons nous professionnaliser Et je nous laisse quelques instants pour écrire. Vous pouvez aller dans le chat et moi je peux voir aussi vos réponses. Les trois raisons majeures pour lesquelles nous devons professionnaliser euh, l'Église sont lesquelles Points d'interrogation. Trois raisons principales pour lesquelles nous avons dit qu'il est important de nous professionnaliser, de nous perfectionner ou encore de pouvoir faire mieux. Je nous donne tout de suite les réponses. La première raison pour laquelle nous devons nous professionnaliser, nous l'avons dit, c'est parce que nous devons gagner les âmes. Et plus nous nous perfectionnons, plus nous avons des chances de les gagner. La deuxième raison, nous avons dit, c'est pour régler les problématiques et les conflits internes. En tant qu'organisation humaine et sociale, nous pourrons rencontrer un certain nombre de défis alors que nous sommes en train de grandir. La professionnalisation nous permettra... De régler un certain nombre de conflits. Et la troisième raison, j'espère que vous vous en étiez souvenu, c'est justement pour pouvoir rester dans le cadre législatif. Alors ici, lorsque nous sommes en train de parler des dérives liées à la motivation, nous sommes en train de dire qu'il arrive certaines fois où la raison pour laquelle nous cherchons à faire mieux ne relève pas du salut des hommes, ne relève pas du règlement des conflits et ne relève pas du respect que nous devons à l'État, mais relève d'autre chose. Bien-aimés, vous pouvez déjà noter ces textes, et nous allons les lire un par un, tous ensemble. Le premier texte, ce sera Ecclésias 4, 4, le deuxième, Philippiens 1, versets 15 à 18, le troisième, Philippiens 2, versets 3 et 4, et Jacques, chapitre 3, versets 16 et 18. Le premier, Ecclésiaste, chapitre 4, verset 4, pour ceux qui notent. Le deuxième, n'est-ce pas, c'était Philippiens, chapitre 1, verset 15 à 18. Le troisième, Philippiens, chapitre 2, verset 3 à 4. Le quatrième, Jacques, chapitre 3, verset 16 à 18. Alors que je m'en vais féliciter la sœur Delphine Massali pour euh, les euh, bonnes réponses qu'elle a données à cette question. Ici nous sommes en train de dire qu'il y a parfois d'autres raisons que les trois principales que nous avons citées qui poussent un homme à agir. Lisons ensemble Ecclésiaste chapitre 4 verset 4. Ecclésiaste chapitre 4 verset 4. L'Ecclésiaste, l'homme sage, est en train de présenter le fruit de ses observations de la vie. Et puis il dit J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. J'aimerais que nous puissions souligner toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme. Toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme. Chers amis, vous rendez-vous compte de cette conclusion que dresse l'Ecclésiaste Il est dans un environnement particulier. Et il dit qu'à chaque fois qu'il voit un homme en train de travailler, pourquoi il le fait C'est parce qu'il est jaloux de l'autre. C'est quelque chose de grave. Bien aimé, certaines actions ne sont poussées que par la jalousie. Alors dans les dérives liées à la motivation, dans les inclinaisons de cœur qui peuvent nous pousser à dériver, lorsqu'on cherche à mieux faire, il y a l'ensemble des œuvres de la chair et des mauvaises émotions. Et moi, ici, je veux m'attacher à parler de la jalousie. Allons sur le texte suivant. Le deuxième texte, comme les quatre que nous allons lire, nous parle de la question de la jalousie. Le deuxième texte, bien aimé, alors qu'il est en train de s'afficher, est un texte qui va nous permettre, cette fois-ci aussi, de comprendre quelque chose dans Philippiens chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 18. La Bible déclare. Nous allons le lire étape par étape, tranquillement, et rester à chaque fois sur des parties intéressantes. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. On va aller étape par étape. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. J'aimerais qu'on puisse bien souligner. Quelques-uns et mais d'autres. Quelques-uns et mais d'autres. Vous savez, ici. Ah, ok. Alors, on va rester sur quelques-uns. Alors, ici, bien-aimé, on est en train de voir que l'apôtre Paul est en train d'interpeller les motivations des uns et des autres dans la dynamique missionnaire. Naïf, celui ou celle qui croyait que toute personne qui sert Dieu le fait pour des bonnes motivations. On est entre frères et sœurs, on est entre croyants, disons-nous les choses. Beaucoup de fois où la mission est faite, ça n'a rien à voir avec le salut des hommes. Ce n'est que pure compétition et comparaison. Alors il ne faut pas qu'on en parle devant les païens, mais entre nous, disons-nous les choses. Est-ce qu'à chaque fois qu'une Église cherche à bien faire, elle cherche à le faire uniquement pour les hommes non. Est-ce qu'à chaque fois qu'un prédicateur prêche, il est fait uniquement pour l'édification Non. Est-ce qu'à chaque fois qu'un single d'un artiste chrétien sort, il est fait pour répandre un parfum d'adoration Non. Est-ce qu'à chaque fois qu'un événement est organisé, il est fait pour qu'un grand nombre entende la parole de Dieu Non. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Alors on n'est pas en train de faire des généralités et on n'est pas en train de dire qu'il s'agit de tout le monde qui a le cœur mauvais. Non, quelques-uns. Quelques-uns. Mais cela, bien aimé, c'est important à dire pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans ces quelques-uns. Bien aimé, lorsque nous cherchons à nous professionnaliser, à bien faire les choses, ne le faisons jamais par jalousie et par compétition. Et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Verset suivant. Ceux-ci agissent par amour. Ici, on parle donc de celles et de ceux qui, qui, qui prêchent l'Évangile avec les bonnes motivations. Certains le font par esprit de, de dispute et par comparaison ou compétition. Les autres, ils le font par quoi Ils le font par amour sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Afin de gagner le temps, je souhaiterais que nous puissions introduire directement le troisième passage de notre sous-thématique. Le troisième passage de notre sous-thématique qui nous parle encore, en d'autres termes, de cette question de la jalousie. Philippiens, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 4, c'est un texte que nous connaissons. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Lisons exactement le même passage dans la version français courant. Exactement le même passage, Philippiens chapitre 2, le verset 3 et le verset 4 dans la version français courant. Que personne ne recherche son propre intérêt mais que chacun de vous pense à celui des autres. Le verset 3 d'abord, excusez-moi, le verset 3 d'abord, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. Nous soulignons toute cette partie-là, bien aimé, si tu as un, un souligneur, si tu stabilises dans ta Bible, je sais qu'il y, y a différentes écoles, il y a certaines personnes qui stabilisent toute leur Bible. Et il y a d'autres, au contraire, qui veulent rien mettre parce qu'ils préfèrent garder le, les, les feuilles le, le plus vierge possible. Pensez-vous que les choses ont changé entre les commencements de l'Évangile et aujourd'hui Je ne pense pas. Bien aimé, en ces temps où Jésus venait de partir, de ressusciter, j'ai dire, l'Évangile est encore neuf l'Évangile est encore pur loin de toutes les altérations qu'on a pu connaître aujourd'hui jusque 2000 ans après. Déjà à cette époque, en pleine expansion de l'Évangile, figurez-vous qu'il y avait des rivalités et des désirs inutiles de briller. Bien aimé, lorsque nous parlons de la professionnalisation, nous ne sommes pas en train de parler du désir de briller. Nous sommes en train de parler du désir de gagner les âmes. Bien aimé, si l'apôtre Paul en parle, c'est parce qu'il sait de quoi il est en train de parler. Il sait qu'il parle à quelqu'un. Et si aujourd'hui Dieu permet que nous puissions lire ce passage, c'est parce qu'il sait que nous avons besoin d'en parler. Quelles sont les motivations qui poussent les églises à faire mieux Bien aimé, nous étions en train de dire, vous vous rappelez que lorsqu'on parle d'une dérive, il s'agit de deux choses. La première, nous disions qu'il s'agissait d'avoir un mauvais objectif. Il y a certaines personnes qui cherchent à se professionnaliser, à faire mieux, à progresser. Vous savez qu'il y a même des personnes qui rentrent en jeûne, en retraite, pour chercher la face de Dieu afin de briller. Afin de faire mieux que leur rival. Alors nous, on n'appellera pas sa rivale. On appellera une église sœur. Une église de la communauté, on appellera ça un autre membre du corps du Christ, mais dans le cœur, il s'agit parfois de rivalité. Enchaînons sur notre quatrième passage de notre sous-thématique dans laquelle nous sommes en train de parler des types de dérives qui concernent les problématiques de motivation. Passage suivant qui nous parle de la jalousie. Encore une fois, dans Jacques chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 18. La Bible déclare, on peut le prendre dans la version Louis II, Jacques chapitre 3, verset 16 à 18, la Bible déclare, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Amen. Et là, on va rester juste sur le premier verset, donc le verset 16. Ici, Jacques est en train de nous parler de la sagesse. Il nous parle de la sagesse qui est douce comparaison avec le zèle amer et l'esprit de dispute qui peut animer certaines personnes dans euh, euh, leur fonctionnement. Mais moi, ce que j'aimerais dire pour terminer sur ce, cette sous-thématique, c'est de nous dire que, bien aimé, cette question de rivalité, de jalousie ou autre euh, synonyme qu'on pourrait donner, amène toujours à la même conséquence. Désordre et mauvaise actions qu'on peut souligner. Bien aimé, Permettez-moi de dire que dans la manière dont l'Évangile est en train de se, répandre, de se répandre dans nos régions et dans nos contrées, il y a parfois beaucoup de désordre. Dans la manière dont les églises sont en train de s'implanter, dans la gestion des relations des communautés les unes avec les autres, dans le rapport que nous avons avec l'État en tant que corps de Christ, il y a parfois beaucoup de désordre. Il suffit d'entendre les païens qui parle de l'évangile qui parle du courant du protestantisme que n'entendons pas vis-à-vis -vis de notre courant religieux on dira parfois que il y a beaucoup trop de courants différents et que on ne comprend plus rien parce qu'il y a tel qui se revendique évangélique, tel qui se revendique catholique, tel qui se revendique adventiste, tel qui se revendique témoin de Jéhovah, tel qui se revendique église de réveil. Il y a même d'autres qui se disent qu'ils sont non affiliés, d'autres qui sont charismatiques. Est-ce que la distinction des courants est mauvaise Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que parfois, il s'agit simplement d'un zèle amer, d'un esprit de dispute qui empêche de s'entendre, qui empêche de se comprendre, qui empêche de voir que telle personne a une révélation qui est de Dieu, telle personne est en train de perfectionner la doctrine de l'Église. Au lieu d'accepter ces ministères, on les combat, on les éloigne, et ça crée scission sur scission, division sur division, au lieu que la révélation de l'un apporte la complémentarité à l'ensemble du corps. Parfois, il s'agit de cet esprit de dispute qui empêche de comprendre lorsque un groupe de personnes se sont un peu éloignées de la doctrine, mais ils sont dans un état d'esprit où ils n'écoutent plus et préfèrent créer leur propre organisation et leur propre groupe. Bien aimé, dans la démarche de professionnalisation, nous devons veiller sur nos cœurs. Sinon, la professionnalisation va créer du désordre. Et cela, c'est quelque chose qui est mauvais. Il y a parfois des églises qui sont des rouleaux-compresseurs, des organisations ou même des chrétiens qui sont des rouleaux-compresseurs. Dans leur désir de se professionnaliser, ils écrasent tout sur leur passage, et même d'autres églises. Ils critiquent d'autres communautés, d'autres assemblées qui ne sont pas encore arrivées. Ça, bien aimé, c'est l'esprit de dispute, et c'est quelque chose qui crée du désordre. Passons à notre deuxième type de euh, 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 dérive euh, en ce qui concerne la question de la professionnalisation. Discutons d'un de, deuxième type de dérive sur la question de la professionnalisation. Je parle ici des dérives liées à l'emploi de compétences. Les dérives liées à l'emploi de compétences. Ici, je vais essayer de m'attacher à nous emmener à comprendre un schéma de réflexion très important. Lorsqu'on parle de professionnalisation et lorsqu'on parle du fait de faire mieux, très rapidement, vous comprendrez que la capacité à faire mieux est cachée derrière la notion de compétence. On doit être plus compétent pour faire mieux. Et lorsqu'on ne fait pas mieux, c'est parce qu'on manque les compétences. Le défi de la professionnalisation, en réalité, c'est un défi d'acquisition de nouvelles compétences. Et lorsqu'on comprend ça, on va donc chercher quelles sont les personnes qui ont les compétences pour nous permettre de nous professionnaliser. Ce n'est pas mal. Acte chapitre 6 qu'on verra tout à l'heure nous parlera de ça. On a besoin d'autres personnes compétentes et talentueuses. Mais il y a un danger. Le danger, bien aimé, c'est que lorsque nous sommes dans cette recherche d'impliquer de nouveaux talents, de nouvelles forces vives, nous puissions tomber dans un déséquilibre. Impliquer des personnes qui n'auraient jamais dû être impliquées à des postes où ils n'auraient jamais dû être impliqués. Ou encore, refuser d'intégrer des personnes que nous devrions pourtant intégrer, sous prétexte que nous cherchons de la qualité. Bien aimé, je nous invite à écouter cette séquence avec beaucoup d'attention. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14 au verset 18. Excusez-moi, autant pour moi, si on peut repartir dans la slide. Euh, bon, restons dessus, excusez-moi, restons dessus. 2 Corinthiens 6, 14 à 18, on va commencer par là. La Bible déclare, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Bien aimé, à la première lecture de ce passage, et sans être très, très, très profond sur la notion de professionnalisation, euh, ou peut-être avant d'avoir entendu donc cet enseignement, on pourrait être tenté de penser que le chrétien ne devrait pas s'associer avec les païens. C'est ce qu'on lit si nous retournons dans le premier euh, verset de, de, de ce texte. Nous voyons ici que l'apôtre Paul est en train de recommander à première lecture et à lecture erronée, de ne pas s'associer aux païens. C'est ce qu'on pourrait croire. Il est en train de dire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous sommes dans le premier verset de ce texte. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Lorsqu'on est en train de lire ceci, on pourrait croire qu'on ne doit pas s'associer aux païens et que s'associer aux païens, c'est un joug étranger. Et euh, euh, il continue ensuite en disant qu'il n'y a, euh, euh, a aucun rapport euh, entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres. Voilà les, les, les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand je parle de païens, je parle de païens dans le sens qu'on utilise aujourd'hui. Parce que d'un point de vue euh, purement euh, théologique, nous sommes tous des païens, c'est-à-dire les gens des nations qui ne sont pas les juifs. Mais aujourd'hui, on utilise le mot païen pour parler de celles et ceux qui ne sont pas convertis au christianisme. Il euh, y a même certaines personnes qui peuvent appeler les, les juifs des païens. Mais bon, ça c'est... C'est autre chose. Alors, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, on peut souligner cette partie-là, euh, peut être mal interprétée en pensant que nous ne pouvons jamais être en contact avec les païens. Vous voyez euh, Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'on ne peut pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. On ne peut pas se mettre avec les païens dans une dynamique qui va nous oppresser, nous retenir captifs, dans une dynamique qui n'a rien à voir avec l'évangile. Les autres passages que nous donnerons permettront de comprendre. Ici, je veux simplement nous faire comprendre que, à première vue, il semblerait que les païens et les chrétiens ne peuvent pas collaborer, que les païens et les chrétiens ne peuvent pas s'associer. Et à combien plus forte raison, en vue de la mission euh, des fils des ténèbres qui serviront pour aider le travail que nous faisons dans la lumière, ça n'aurait a priori pas de sens. Enchaînons sur notre deuxième texte de euh, l'idée dans laquelle nous sommes. Deuxième texte de l'idée dans laquelle nous sommes. Acte chapitre 6. On le connaît très bien. Euh, parce qu'on l'a lu, je pense, au moins de reprises. Pendant notre étude, je vais le lire rapidement, le verset 1 et jusqu'au verset 6 au moins, rapidement. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2, la Bible déclare Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse. On va rester sur ce verset, s'il vous plaît, et que nous chargerons de cet emploi. J'aimerais que nous puissions euh, 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 souligner de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et toute la fin de ce verset. De qui l'on rend témoignage et toute la fin de verset. Ici, vous êtes en train de voir des critères de sélection. Oui, c'est vrai. On choisit des personnes qu'on va employer dans la dynamique de professionnalisation de l'Église. Oui, nous cherchons à mieux faire, donc on va choisir qui est-ce qu'on peut utiliser pour faire mieux, qui est-ce qu'on va impliquer, mais cette implication doit répondre à des critères stricts et des conditions dont on ne pourra pas déroger. Alors lorsqu'on cumule le texte que nous avons lu tout à l'heure, où les chrétiens ne peuvent pas se mettre avec des, des, des infidèles sous un joug étranger, on l'additionne à acte chapitre 6 qui nous montre que lorsqu'on a voulu impliquer des diacres, des personnes qui allaient servir pour l'église, il fallait qu'ils soient pleins du Saint-Esprit. On n'a pas dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la conviction et puis à la conversion, ça s'arrête là. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et en plus, ils sont même remplis aussi même de sagesse et ils ont même carrément un bon témoignage. C'est pas donné à tout le monde malheureusement dans les temps dans lesquels nous sommes. Quand on lit ça, on pourrait croire que lorsqu'on cherche à se professionnaliser eh bien, ça ne se fait qu'avec l'élite spirituelle, à la fois des personnes qui sont converties, des chrétiens, mais à la fois avec des chrétiens qui jouissent un bon témoignage. Alors, si on s'arrête à là, et l'ensemble des minutes suivantes nous montreront qu'il ne faut pas s'arrêter à là, on pourrait croire que l'ensemble des personnes concernées par le fonctionnement de l'Église, doivent être convertis. Auquel cas Les experts comptables sont censés être des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Les avocats sont censés être des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Les bailleurs ou propriétaires des lieux que nous louons sont censés être des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Les sociétés de nettoyage. Euh, que nous pouvons mandater sont censés être des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Les personnes qui nous louent ou nous vendent du matériel euh, sont censés être euh, chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et toutes les personnes que nous impliquons pour la mission sont censées l'être. Alors, à ce moment-là, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui n'est pas forcément réalisable et faisable. Alors, l'idée, c'est de comprendre quelle est la limite. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse lire quelques passages, et on peut afficher déjà le texte suivant. Quelques passages qui auront pour vocation de nous permettre de comprendre qu'en réalité, dans la mission, il est même possible d'impliquer d'autres personnes. Alors, là, 1 Timothée chapitre 3 verset 1, ça c'est pour la maison, c'est cadeau, c'est bonus, c'est simplement un passage qui parle non pas de, des critères pour les diacres, mais les critères pour les évêques, c'est-à-dire un rang de service au-dessus, les surveillants d'église, les anciens qui avait aussi une liste de critères. Et quand on lit ces textes encore, on a l'impression que pour servir, on ne peut faire servir que des personnes qui répondent à ces critères. Et là, on bascule dans le texte encore suivant pour gagner le temps. On bascule dans le texte suivant pour, pour pouvoir gagner le temps. Vous allez voir dans deux chroniques... Euh, chapitre 26, euh, quelque chose d'intéressant. On va lire un long texte, 2 euh, chroniques chapitre 26, je te laisse le temps de le trouver euh, à la maison. 2 chroniques euh, chapitre 26, je te laisse le temps de le trouver à la maison. On nous parle de l'histoire euh, du, euh, du roi Osias. Euh, l'histoire du roi Osias, du coup, je nous introduis l'idée que je vais emmener, nous permet de comprendre que euh, il y avait un homme, qui était chrétien? Enfin, chrétien excusez-moi. qui était du peuple de dieu? voilà, il était israélite, il était hébreu. Euh, il était euh, un enfant de dieu. l'onction de dieu était sur lui pour conduire le peuple en tant que roi. et dans ce texte, vous allez voir que lorsqu'on a voulu l'impliquer ou lorsqu'il a voulu s'auto-impliquer dans certaines tâches de la vie d'une église, il lui arrivait des choses terribles. Lisons ensemble. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amalcia. Osias rebâtit Elot et le fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amalcia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Il construisit des villes. Vous voyez, et là vous voyez qu'il entre dans une démarche de professionnalisation. Okay il entre dans une démarche de professionnalisation. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal. et contrôler maonites. Les Amonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert. Il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allait à la guerre par bande, comptée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jayel, le commissaire masseja et placée sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Ils commandaient à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs. Des frontes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées. Regardez, là, on est en train de parler d'un roi qui est dans une démarche de professionnalisation extrême. Il perfectionne le pays, il perfectionne l'armée, il perfectionne l'agriculture et les, et les élevages. Il va même jusqu'à euh, euh, travailler pour faire des machines inventées, des inventions au milieu du peuple de Dieu. Bon, il est dans une démarche de professionnalisation. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Est destiné à être placé sur les tours et les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Vous voyez ce qu'on pouvait voir à l'époque du Moyen-Âge avec des lance-pierres et des lances flèches euh, C'est ce roi Ozias qui l'a introduit en Israël. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Ah ah, hein, mais c'est là où il y a quelque chose qui est intéressant. Vous savez, bien aimé, la dérive, elle n'arrive pas forcément au début. La dérive, elle arrive parfois après les premiers résultats de la professionnalisation. Je vais prendre le temps pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire. La dérive n'arrive pas toujours au départ, comme on a vu dans la question de la motivation. Parfois, elle arrive après que nous ayons commencé à nous professionnaliser. Ici, qu'est-ce que nous sommes en train de voir Un roi qui professionnalise. Il y a du résultat, il devient puissant et c'est à ce moment qu'il a commencé à complètement délirer et à dévier. Il est parti à la dérive de sa trajectoire. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pêcha contre l'éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. On peut reprendre la lecture. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère sans ce qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclatera sur son front. Je veux rester là quelques instants. Vous savez, bien aimé, le problème c'est quoi C'est que parfois, lorsqu'on commence à professionnaliser, on n'écoute plus personne. Ça, c'est embêtant. Il arrive parfois lorsqu'on commence à progresser, lorsqu'on commence à s'améliorer, lorsqu'on commence à porter du résultat. On n'écoute plus personne. Le monsieur qui est là, je prie qu'il ne soit pas l'image de ce que tu es ou l'image de ce que je suis. C'est un homme qui a compris qu'il doit mieux faire. Il a compris qu'il doit progresser. Il a compris. Il est, il est dans un mindset, le gars. Il est dans le développement. Il progresse. C'est un entrepreneur. Il est très ailé dans ce qu'il est en train de faire ici, comme vous le voyez bien. Il devient puissant. Il s'élève matériellement, financièrement. Mais son cœur aussi s'élève, il tombe dans l'orgueil et il va commencer à entrer dans un certain nombre de choses qui ne relèvent pas de son mandat auprès de Dieu. Lorsque les sacrificateurs lui font la remarque, ils lui disent, mais Osias, toi tu es roi, tu as l'onction pour conduire le peuple d'Israël, mais tu n'as pas l'onction pour faire les sacrifices et les parfums dans la maison de Dieu. Il n'écoute plus. Vous savez, c'est triste de voir que malheureusement, parfois, il y a un certain stade auquel certains arrivent où ils n'écoutent plus, dérivent de professionnalisation. Bien aimé, nous cherchons à progresser, à faire mieux, pourquoi pas, à être des personnes importantes en vue d'influencer, mais nous gardons, bien aimé, les valeurs chrétiennes, l'humilité et la capacité de se laisser exhorter par les frères et par les sœurs. Vous lirez la suite de ce passage à la maison et nous voyons ici un homme qui a été frappé par la lettre de la part de Dieu. Je veux ici nous faire comprendre quelque chose. Lorsqu'on est en train de chercher à professionnaliser, j'étais en train de dire que je veux nous emmener à comprendre qu'il est possible d'impliquer même des non-chrétiens dans certaines tâches autour de la mission. On l'ira tout à l'heure et on peut déjà commencer à l'afficher. Un roi, deux rois, je pense, chapitre 5, en tout cas le dernier passage. Mais pourtant, malgré le fait que je dis qu'on peut impliquer a priori des non-croyants, je nous présente un texte dans lequel il y a quelqu'un qui a l'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu, mais qui est frappé lorsqu'il est dans une démarche de professionnalisation. Où se place l'équilibre Je nous le dis, il s'agit de comprendre, bien aimé, que dans ce qui concerne l'emploi des personnes, c'est-à-dire le fait d'impliquer des ouvriers, des croyants dans la démarche de professionnalisation, il y a un sujet auquel on ne doit jamais toucher, c'est l'exercice du culte. J'aimerais que quelqu'un puisse écrire dans le chat l'exercice du culte. L'exercice du culte. L'exercice du culte. Et comme ça, moi, je sais que nous sommes tous connectés sur la même fréquence. L'exercice du culte. Ici, bien aimé, il s'agit de dire quoi Un roi chapitre 5 nous présente le fait que Salomon a impliqué des personnes qui n'étaient pas converties, qui n'étaient pas chrétiennes, qui n'étaient pas le peuple de Dieu dans la construction du temple. Je nous donne un exemple tout simple. Nous sommes en train de construire le temple, nous sommes d'embêter. Il n'y a aucun mal à travailler avec des entreprises qui ne sont pas composées de chrétiens pour la maçonnerie, pour la plomberie, pour l'électricité. Nous le voyons dans 1 roi chapitre 5. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'éternel, mon Dieu, comme l'éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison mon oh nom. Ah, hein. Et là, c'est intéressant. Le monsieur Salomon qui cherche à, 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 à construire un temple pour Dieu, qui cherche à professionnaliser les choses, parce qu'il y avait déjà un lieu dans lequel on rencontrait Dieu. Vous savez, la construction du temple, c'est une démarche de professionnalisation. Et ben, il est en train de chercher à contracter avec des personnes qui ne connaissent pas l'évangile. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres, ou euh, pas des cèdres de Jérusalem. Vous voyez pas, 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 pas des, pas des cèdres de, de, de Bethsaida, pas des cèdres de Sion, de Gethsemane, Non, non, des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec, qui avec les tiens, des Libanais, et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les sidoniens. Ici, on est face à, des, face à un roi qui cherche à professionnaliser l'œuvre de Dieu, mais qui reconnaît l'importance des compétences extérieures, même lorsqu'elles ne sont pas chrétiennes. C'est quelque chose de très important que nous sommes en train de dire verset suivant. lorsqu'il entendit les paroles de salomon hiram eut une grande joie et il dit béni aujourd'hui l'éternel qui a donné à david un fils sage pour un chef de ce grand peuple et hiram fit répondre à salomon j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès alors ici bien aimé il s'agit donc de dire que dans une démarche de professionnalisation, il est possible, à un moment donné, comme Salomon, de remarquer que nous n'avons pas en interne toutes les compétences. Et Dieu n'est pas contre le fait d'engager des individus extérieurs servir pour l'avancement de son œuvre et de sa maison. Ce n'est pas mal. On peut impliquer des personnes qui ne sont pas chrétiennes mais qui accepte de travailler avec nous dans les ambitions chrétiennes que nous avons. mais j'insiste il y a une limite. le culte bien-aimé dieu a envoyé sa gloire dans le temple qui a été construit avec des matériaux qui ne venaient pas d'israël et qui a été construit avec des matériaux qui n'ont pas été travaillés par les israélites. Mais Dieu a quand même fait descendre sa gloire. Parce que ce sont des sujets qui sont périphériques au culte. Qui sont extérieurs à la question purement du culte. Mais lorsqu'il s'agit du culte, du sacrifice, des parfums, même un Israélite a été frappé par Dieu parce qu'il n'était pas mandaté pour le faire. C'est quelque chose d'important à comprendre dans la professionnalisation. Ainsi, je vais directement dans les applications pratiques. Sachez, bien aimé, qu'il n'est pas mauvais pour une église d'avoir des cabinets de conseil qui ne sont pas chrétiens, mais experts en management, en organisation, en gestion des finances. Il est possible, comme je l'ai dit il y a combien de fortes d'avoir des comptables, des commissaires aux comptes qui ne sont pas chrétiens. Il est possible d'avoir une société de sécurité qui n'est pas chrétienne oui, ça me ferait sourire de voir un homme de dieu qui vient souvent en france ces derniers temps et il, 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 il a une société de, de, de sécurité autour de sa personne qui est composée de personnes qui sont d'une autre confession religieuse. pourquoi pas? s'il y a la compétence. il est possible que l'église se fasse former sur du matériel médiatique par des experts qui ne partagent en rien les valeurs de l'évangile mais qui acceptent contractuellement de nous aider dans ce que nous sommes en train de faire. Mais, en ce qui concerne le culte, il n'est réservé qu'aux personnes sur qui repose l'onction du Saint-Esprit. Ainsi, il est difficilement possible de justifier bibliquement l'emploi d'instrumentistes non convertis dans un concert qui se dit chrétien et qui se dit être un culte pour le Seigneur. Il est difficile, vous voyez, j'enrobe mes phrases d'humilité et de diplomatie. Il est difficile de dire qu'en ce qui concerne le culte, nous employons des ouvriers qui ne sont pas chrétiens. Mais je vais même aller plus loin lorsque je parle de dérive de professionnalisation. Parce que jusqu'à présent, vous serez tous d'accord, a priori, je l'espère, avec moi. Mais bien aimé, lorsqu'on est en train de parler du service pour Dieu, on parle de rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse et d'un bon témoignage. Il arrive parfois que dans les églises, nous puissions maintenir en service des personnes qui ne sont ni remplies du Saint-Esprit, ni remplies de sagesse et qui n'ont pas un bon témoignage. Il y a des personnes parfois dans les églises qui ont une mauvaise vie. Il y a des personnes dans les églises qui sont en service et qui ont des mauvais caractères. Il y a des personnes dans les églises qui sont remplies d'eux-mêmes et pas du Saint-Esprit, qui ne sont pas sages, mais qu'on laisse au service au nom de la professionnalisation. Cette personne est tellement compétente qu'on la laisse servir. Non, bien aimé, s'il s'agit du culte, cette personne ne sert pas. Ce serait une dérive d'impliquer des personnes qui ne répondent pas aux critères de l'évangile pour servir dans le culte chrétien. Une personne bien-aimée peut être à l'église depuis dix ans. Si elle ne répond pas aux critères d'un ouvrier, elle ne peut pas servir. Quand bien même, elle a les compétences pour emmener l'église à aller plus loin. J'espère que nous comprenons très bien ce que je suis en train de dire. Je le répète. Lorsqu'on est dans Actes chapitre 6, dans les critères pour emmener quelqu'un au service, il n'y a rien à voir avec l'âge. Il n'y a rien à voir avec l'ancienneté à l'Église. Il y a la question de rempli du Saint-Esprit. Il y a la question de rempli de sagesse. Il y a la question de bon témoignage. Alors, bien aimé, lorsqu'il s'agit de la question du culte, même si une personne est compétente à l'extrême, même s'il s'agit de la personne la plus talentueuse de l'église si elle ne remplit pas ces critères la faire servir au nom de la qualité et de la compétence qu'elle apporte ce serait une dérive il s'agissait donc pour moi de parler ici des dérives liées à l'emploi des compétences je suis en train de dire qu'il est possible d'employer des compétences d'inclure dans notre travail missionnaire des personnes qui ne sont pas converties parce qu'elles sont compétentes, mais jamais en ce qui concerne le strict exercice du culte, auquel cas toute personne qui n'est pas mandatée par Dieu pour le faire ou qui ne remplit pas les critères d'exigence pour le faire ne devra jamais servir. Que Dieu vous bénisse. Waouh, 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 amen, amen. Merci vraiment pour tous ces points. C'est vraiment des garde-fous que tu nous as donnés ce soir, amen. qui nous permettent de mettre les, les, les barrières pour ne pas bah, du coup dévier et dériver dans notre trajectoire. Alors pour toutes les personnes qui nous ont suivis, n'hésitez surtout pas à mettre vos questions dans le chat et c'est maintenant qu'on peut prendre le temps d'y répondre. Donc moi, du coup, j'ai une question pour toi, Samuel. Okay. Alors du coup la question c'est je suis dans une église et je sens que la trajectoire de cette église est en train de dévier. Est-ce que je quitte le navire ou pas? Ok, très bonne question. Je te remercie euh, euh, de la poser. Euh, ici on est en train de parler des dérives, des mauvaises trajectoires, et de dire que euh, il arrive parfois qu'une église, une organisation ou une personne prenne une mauvaise trajectoire. Faut il l'abandonner? Bonne question. Alors, la tra mauvaise trajectoire, euh, pour employer des termes vraiment euh, très euh, clairs, c'est entrer dans le péché. Alors moi, je, je répondrai d'abord avec euh, une métaphore filée, toujours euh, sur la question euh, maritime. Il y a des navires qui peuvent euh, qui peuvent dévier de leur trajectoire, mais qui sont encore en bon état. Et euh, avec beaucoup d'efforts, euh, avec un travail collectif de tout le monde, avec euh, un capitaine euh, du navire très impliqué, on peut ramener le navire dans sa trajectoire. Mais il y a d'autres navires qui ont tellement chaviré, euh, qui ont tellement dévié et qui se retrouvent euh, au bord du précipice, au bord d'une falaise. Et peu importe ce qu'on va faire, il va quand même tomber parce qu'il est trop lourd. Le temps de changer sa trajectoire, c'est mort. Alors là, on fait quoi On saute. Donc, pour répondre à cette question, je dirais, cela dépend de l'ampleur du problème. Le piège dans lequel on tombe parfois, alors, parce qu'on sait déjà que lorsque les choses deviennent trop graves dans une église et qu'une église dévie complètement, on sait qu'on la quitte. Tu vois Mais le piège, c'est que parfois certaines personnes quittent leur église trop tôt. Tu vois, certaines personnes quittent leur église alors que les choses pouvaient encore s'améliorer. Alors que la trajectoire pouvait être encore corrigée. Okay. L'église, c'est comme une famille. Il peut arriver que ma famille dévie. Quelle personne n'a pas eu une famille qui a dévié à un moment donné Bien sûr. Tout le monde a une famille qui a dévié. Est-ce que cela veut dire qu'on prend, comme on dit, nos clics et nos claques et qu'on part non, non. On travaille à ce que les choses s'améliorent. Pareil, dans une église, ne partons pas trop rapidement. Impliquons-nous. Allons signaler au commandant de bord que la trajectoire n'est plus la bonne mobilisons l'ensemble euh, des moussaillons et, et, et des personnes euh, avec qui nous sommes en train de naviguer et mettons-nous en œuvre pour rattraper la trajectoire. Et si seulement la trajectoire est irrattrapable et nous conduit à coup sûr à la mort, alors là, sans hésiter, il faut sauter du navire. D'accord. J'ai une question concernant le roi Osias qu'on a vu tout à l'heure, qui a bien commencé et a mal terminé. Est-ce qu'on peut penser que sa dérive est aussi liée au manque de supérieur enfin, qu'il qu avait au fait qu'il ne répondait à personne et que du coup, il déviait parce qu'il n'avait plus de compte à rendre Ah, ça, c'est des questions pertinentes. <laughs> tu t'es professionnalisé euh, dans ton journalisme. <rire> Apparemment. <rire> en fait, ce qu'il faut comprendre, parce que cette question, elle est formidable. Euh, ça serait erroné de croire que le roi n'a personne au-dessus de lui. Le roi, d'abord, il a Dieu au-dessus de lui. Mais euh, la sagesse divine fait que euh, les choses ne sont pas que pyramidales, elles sont transversales. En fait, quand on regarde avec beaucoup d'attention, quand tu regardes, le peuple d'Israël fonctionnait avec trois leaders. C'est-à-dire les trois catégories de personnes sur qui reposait l'onction du Saint-Esprit. Le roi. Le prophète et le sacrificateur. Yes. Le roi, souvent, on le considère comme le leader du peuple, mais il n'est pas le leader sur toutes les questions du peuple. En ce qui concerne le sacerdoce, c'est-à-dire la, la relation avec, euh, avec Dieu, en réalité, le leader, c'est le sacrificateur. C'est pas le roi. Oui. 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 Et, et ainsi. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, si je rebascule dans, dans nos églises, c'est vrai, il y a des présidents d'associations, si on regarde l'échelle humaine, ou encore des ce qu'on appelle un pasteur. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que le leader principal d'une église n'est pas forcément pasteur de ministère. Il peut être apôtre, il peut être docteur, il peut être prophète. Tu vois, ceux qui dirigeaient l'église d'Antioche, acte chapitre 13, c'était des docteurs et des prophètes, ce n'était pas des pasteurs. Ça, c'est un autre sujet. Ce sont les leaders organisationnels. Mais Dieu peut élever à un moment donné, sur certaines questions, des personnes qui auront une forme euh, de leadership complémentaire. Donc la décision finale revient toujours au roi, mais il est censé comprendre que Dieu a loin d'autres personnes pour répondre à certains besoins précis. Auquel cas, il est important de se rendre mutuellement des comptes. Et l'État français, par exemple, mais c'est valable aussi, on, on observe aussi ces idées dans la Bible, ne présente pas, euh, à un moment donné, euh, un leader comme étant euh, un dictateur et qui n'a des comptes de rendre à personne. Bien sûr. La Bible prévoit aussi un certain nombre de mécanismes de régulation, avec notamment, par exemple, un conseil des anciens, qui, quand on comprend la pensée de Dieu, a la capacité, de manière collégiale, de prendre des décisions. Et euh, quand on prend les choses... Euh, à l'échelle humaine en, en 2024 en France, euh, le président d'une association n'a pas tous les pouvoirs. Là, je parle vraiment sur le côté euh, naturel. Je ne parle pas de l'Église comme une organisation spirituelle, mais comme une, une association. Il y a un conseil d'administration oui. et il y a euh, des membres euh, auxquels euh, on doit rendre des comptes. Tu vois Donc tout ça pour dire que le problème, c'est lorsque un individu, peu importe son rang, considère qu'il n'a des comptes à rendre à plus personne. Là, oui, il peut dévirer. Et là, c'est très dangereux parce qu'il n'écoutera personne pour le ramener sur le chemin. Quand on regarde à la fois la pensée de Dieu, à la fois la pensée des hommes et des institutions, eh ben, on comprend qu'il y a toujours des comptes à rendre à quelqu'un. Yes. Il y a toujours des personnes qui sont censées nous conseiller, qu'on doit écouter, toujours. Il n'y a aucun moment où on est trop haut pour écouter qui que ce soit. Non. Mmh. Voilà un peu. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que pour éviter la professionnalisation, un des aspects, c'est que c'est un travail d'équipe. Mais qui respecte quand même les institutions et les différents principes. Donc, chacun a son rôle, chacun a son niveau, mais c'est toujours une affaire d'équipe. C'est toujours une affaire d'équipe. Le texte initial et fondateur de cette étude, euh, c'est l'apôtre Paul qui dit travailler de mieux en mieux. Mm. C'est une invitation collective. D'accord. Travaillez de mieux en mieux. Vous, ensemble, en tant qu'église, en tant qu'équipe, travaillez mieux. Mm. Donc c'est effectivement une dynamique collective, bien sûr. Est-ce que tu aurais d'autres exemples rapidement pour nous éviter certaines dérives Alors, euh, je pense qu'on pourra se donner rendez-vous la semaine prochaine. Ça marche. La semaine prochaine, nous parlerons justement euh, de quelques recommandations pratiques. En fait, l'idée, c'était, euh, puisqu'on est dans une étude biblique, oui. l'idée, c'était euh, de pouvoir être quand même suffisamment théorique et, et doctrinal pendant les trois premières séances mmh. pour que la dernière, on puisse se donner euh, la possibilité d'être beaucoup plus pratique, avec peut-être un peu moins de versets. Euh, mais beaucoup plus de, de pragmatisme, d'exemple de la vie de tous les jours d'une église ou d'un service. Super. Et bien, bah, du coup, il est temps de passer à notre quiz. C'est parti. C'est parti. Alors, on va voir si vous avez bien pu suivre notre étude biblique de ce soir. Donc, nous aurons quatre questions ce soir. Première question Quelle affirmation est exacte Alors, alors, j'attends que ça s'affiche sur notre écran. Alors, n'hésitez pas à répondre dans le chat si vous pensez avoir la bonne réponse. Et nous verrons ceux qui ont suivi notre étude en étant très, très concentrés. Alors, question 1. Quelle affirmation est exacte Alors, A, la professionnalisation de l'Église est une dérive. B, l'Église doit à tout prix se professionnaliser pour gagner les âmes. Et c'est, il est possible d'impliquer des non-croyants pour participer à la professionnalisation de l'Église. Alors, quelle est la bonne affirmation Réponse A, réponse B ou réponse C Ça, c'est une bonne question. Alors, bien évidemment, dans ces, trois, dans ces trois réponses, la bonne réponse était la réponse C. Il est possible d'impliquer des non-croyants pour participer à la professionnalisation de l'Église. Mais bien sûr, ce qui est sacré, c'est l'exercice du culte. On ne touche pas à ce qui est du culte et à ceux qui sont loin par Dieu pour faire cette œuvre. Question numéro 2. Les églises déviantes sont toutes des fausses églises dont il faut s'en éloigner. Est-ce vrai ou est-ce faux Je vous laisse le temps d'y répondre. Alors la question les églises déviantes sont toutes des fausses églises dont il faut s'éloigner, dont il faut s'en éloigner. Est-ce vrai ou est-ce faux Alors. Je... Est -ce que, alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Je suis dans un navire qui dévie. Est-ce que je saute Est-ce que je reste dans le bateau s'il peut couler À votre avis, la bonne réponse Bien évidemment, c'est la réponse B. C'est faux. Il est possible qu'une église, bien qu'elle dévie, bien que elle aille dans une direction un peu déviante, de rester dans l'église parce que l'église peut encore retrouver sa trajectoire. Rien n'est impossible. Et si l'on suit, si l'on retrouve le chemin. Du et comme on a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit, il est encore possible de retrouver sa bonne trajectoire. Alors troisième question Quels éléments peuvent pousser une église à dévier Il s'agit donc d'un QCM, c'est-à-dire questionnaire à choix multiples. Question réponse A, pardon, la volonté de gagner des âmes. Réponse B, le désir de plaire aux fidèles. Et réponse C, la démarche de respect de la législation. alors, quelle est la bonne réponse dans la question quels éléments peuvent pousser une église à dévier? je vous laisse le temps d'y répondre. alors, questionnaire à choix multiple, bien sûr. il y a plusieurs réponses. est-ce la question a? la question b? la réponse c? pardon. alors, alors pour ceux qui nous ont suivis, Évidemment, il s'agit des réponses A, B et C. Les éléments qui peuvent pousser une Église à dévier, c'est bien sûr la volonté de gagner les croyants, mais pour de mauvaises raisons, le désir de plaire aux fidèles et la démarche de respect de la législation. Enfin, quatrième... Alors, si je peux me permettre, c'était une oui, question sûr. piège. Bien sûr. Et euh, on voit qu'il y a beaucoup justement qui, qui ont eu du mal à se positionner sur cette réponse. En fait, euh, la question c'est qu'est-ce qui peut pousser... Euh, une église à dévier. En fait, tous les sujets peuvent pousser une église à dévier. Euh, C'est ça le piège. C'est-à-dire qu'une église, comme on l'a dit euh, dans la déviation, on a dit que ça peut être un mauvais objectif, mais ça peut être aussi un bon objectif. Mais avec des mauvaises méthodes. C'est pour ça qu'on a posé cette question. Ça faisait quoi ce deuxième point Les bons objectifs, mais des mauvaises méthodes. Il y a certaines églises qui peuvent chercher à gagner les âmes. Mais en cherchant à gagner les âmes, eh ben, elles utilisent des mauvaises méthodes. Par exemple, euh, on entendait parler d'une église où, lorsqu'ils faisaient un appel pour encourager les païens, un appel au salut, pour encourager les païens à, à, à se lever, à répondre à l'appel de Jésus, eh ben, ils mandataient un certain nombre de frères et sœurs dans l'église euh, qui allaient eux-mêmes se lever pour faire comme si, voilà, la parole a touché d'autres personnes et si quelqu'un d'autre s'est levé, moi aussi, je peux me lever. Alors, ça peut sembler bien. L'objectif, c'est que les gens soient à l'aise de se lever. Oui, mais la méthode est mauvaise. Alors, oui, c'est bien de chercher à rentrer dans le cadre législatif, mais euh, en le faisant, on risque à un moment donné d'être dans un extrême. Donc, peu importe si l'objectif est bon, il est possible de dévier. Si on prend des mauvaises manières pour atteindre même un bon objectif. Donc il y avait une petite subtilité voilà sur cette question. Esther, je te, je te redonne la parole. Merci beaucoup Samuel. Eh bien comme vous voyez il peut y avoir des pièges donc il faut vraiment être très attentif et bien suivre l'étude biblique. Alors dernière question. Quels sont les trois C de la lutte anti dérive Parce que oui nous ici nous sommes de la lutte anti dérive. Nous ne voulons qu'aucun navire puisse dévier. Alors réponse A. Consécration, critique et créativité. Réponse B, compétence, communication et caractère. Réponse C, compétitivité, créativité et curiosité. Alors, quelle est la bonne réponse sur les trois C de la lutte anti-dérive Je vous laisse le temps d'y répondre. Alors je laisse la parole à Samuel pour un peu nous préciser le fond de cette question sur les 3C de la lutte anti-dérive avant de vous donner la bonne réponse. Alors euh, effectivement, ça c'est une partie qu'on n'a pas eu dans l'enseignement encore. Euh, mais je pense que chacun, s'il a très bien compris la pensée euh, qu'on a voulu partager aujourd'hui, pourra peut-être déjà euh, trouver les réponses. Alors on peut déjà euh, dire euh, quelle est la bonne réponse. La réponse était donc la réponse euh, A. Euh, consécration et critique et créativité. Consécration fait écho à la notion, on disait, où euh, le culte, il est sacré. On ne peut pas toucher au culte. Il euh, y a des éléments qui sont consacrés où, dans notre démarche de professionnalisation, on doit garder ça à l'esprit. Euh, euh, également critique, pourquoi Parce qu'on doit être capable, si on veut se professionnaliser, d'avoir un œil critique, un œil euh, euh, d'analyse, un œil d'observation sur la manière dont les choses sont faites en vue d'une amélioration et euh, lorsqu'on est dans la lutte précisément anti-dérive on doit être capable de, de critiquer ce qui est fait comme les chrétiens de Béré qui examinaient dans les écritures pour voir si ce qu'on leur disait c'était vrai et puis euh, euh, nous sommes aussi en train de parler de la réalité euh, de, de, excusez-moi, nous sommes en train de parler de la réalité de la créativité c'est-à-dire trouver différentes méthodes euh, pour pouvoir atteindre quand même les objectifs sans dériver. Mais euh, ça, je pense qu'Esther, on pourra en parler plus en profondeur la, la prochaine fois. Exactement. Et Adiette, pour ce dernier temps sur l'Église face au défi de la professionnalisation Amen. Avec précisément la question euh, de quelques éléments pratiques qui pourront nous aider à le faire. Yes. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de clés, beaucoup d'informations qui vont vous permettre encore de vous pousser à la professionnalisation, à la professionnalisation de votre service, de ce que vous faites à l'Église. N'hésitez pas à nous suivre encore à nouveau mardi prochain pour la suite et fin de ce grand sujet qu'est l'Église face au défi de la professionnalisation. Merci à toi, Samuel. Merci. Nous voulons prier, Père. Nous te rendons grâce pour ce moment passé autour de ta parole et autour de cette réflexion qui nous emmène chacun à voir comment nous pouvons mieux faire. Nous te bénissons pour ce qui a été dit et nous prions que tu nous aides à appliquer ta parole, à la mettre en pratique, chacun d'entre nous, à faire mieux, à nous professionnaliser dans ce qui relève de notre responsabilité. Je prie que la semaine prochaine, tu puisses nous faire encore davantage de bien pour la clôture de cette série d'enseignements, afin que ta gloire, gloire éternellement mon Dieu puisse être... Manifesté au travers de ton Église et au travers de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bonne soirée à tous.